Ça nous organise parce que nous besoin sensibiliser toute population haïtienne sur affaire cancer d'été. Même j'ai avec tout l'autre pays étranger fait, nous même nous elle nécessaire pour le faire parce que mon yo pas manque de connaissance de maladie, hein, il a mouri ou bien il a privé, il a venir joindre nous avec un stade avancé de cancer. Donc nous prenons charge et nous prenons responsabilité nous depuis 1999 pour nous souterrain, hein, pour nous parler avec mon yo, pour nous apprendre qui j'en peux faire autopalpation, qui peut détecter cancer en bonheur. Nous voyons au docteur, nous canaliser, elle fait sonographie, mammographie, tout ça gagne comme qui gens pour détecter un bagage qui pas bon encore au bon, c'est pas seulement tété, nous parler de tété connia, c'est parce que nous dans mois d'octobre qui moi qui considéré comme mois de sensibilisation du cancer du sein mondialement. Donc je dis à nous faire marche là. Et moche là, nous avons dit qu'il réussit parce que nous avons des gens quand même. Et puis nous avons des grands sponsors qui décorent le mouvement. Nous, c'est des gens qui sont toujours avec nous, qui comprennent sacré les coups les épaules, sacré les et collaboration, sacré les entraide et parce que nous avons besoin de ça en pile dans la société haïtienne. Nous avons même 6 ans que nous avons fait marche. Et aujourd'hui, c'est un walkathon que nous faisons. Nous ne faisons pas un gros marche, nous n'avons pas d'athlètes qui viennent parce que nous avons pris un petit peu tard. Donc, étant donné que nous avons un peu de problèmes, mais nous finissons par faire une marche et pour nous comme symbole de sensibilisation du cancer du sein. Parce que nous ne voulons pas rester indifférents. Nous voulons toujours souterrain, hein, toujours éduquer les gens, toujours penser à eux. Nous finissons faire programme pour une quantité de médecins. C'est-à-dire, pas médecins, non, c'est étudiants en médecine finissant. Nous montrer qui j'en pour faire et qui j'en pour faire et non pas chimiothérapie non c'est nous parler nous enseigner sur le cancer de la prostate, cancer du col de l'utérus, cancer et du sein, cancer du poumon. Donc comme ça peut au calreux transmettre tout côté que vous passez. Parce que nous besoin marcher sur tout terrain, hein. Mais malheureusement, nous n'avons pas de moyens financiers pour aller vers les autres villes et vers et les provinces. Au seul côté, nous allons déjà, et c'est Jacques Mel. Mais nous allons aller à tout côté. C'est ça qui fait notre formation de formateurs pour les gens qui ont même pour prendre la relève. Mais je vous pense à faire. Est-ce que vous recevez déjà combien de monde Oui, bien sûr, bon, il y a des gens qui ont quitté un cancer et puis qui guérit, qui est toujours avec nous, qui vient porter concours la matin, et il y a des gens qui sont en traitement qui là tout. Et nous plein mon et comme si qui dans traitement actuellement nous gagne peut-être 27 monde qui dans et traitement dû, mais yo pas gagné problème qui j'aime d'adjo là, nous remonter moral yo parce que nous parler avec yo, nous dit que après cancer c'est pas la mort, j'ai bien dès pour gagne cancer fini, c'est pas vrai, plein la vie après un cancer. Donc 27 moun sa yo, nous connaissons que yo pral vivre en santé après chimiothérapie, après radiothérapie. Et donc, nous connaissons que yo pral vivre corré mouvement tout au fur et à mesure. C'est comme ça nous agissons. Yo moun qui est contre le cancer et n'a traité, ça va combien de temps pour que moun sa ait traité de cancer? Eh bien, ça dépend de phase cancer moun nan. S'il vit, s'il trop tard, la bouche et traitement la pour un petit champi long. Mais si moun nan prend cancer en bonheur, il n'a pas besoin de chimiothérapie, il n'a pas besoin de son intervention seulement, il a besoin. Il y a un coup tiré et côté où il y a un petit nodule, côté où il y a un petit masque là. Et puis avec un rebord, vous comprenez, pour éviter toute affaire métastase. Et puis après ça, il a guéri. Chimiothérapie prend 6 mois. Donc il a le droit peut-être à faire 8 mois, il a encore sur 2 pieds encore. Et puis il reprend toute activité. Mais pendant la chimiothérapie, il n'a pas besoin pour oublier l'activité non plus parce que. Et il y a quelques petits malaises, certes, mais depuis qu'il sentit bien, il a recommandé pour les gens d'arrêter, ressasser tout problème, ni sortir, aller dans le travail, ou, de vous sentir bien, marcher, aller aux amis, faire tout ça ou t'es qu'on fait jusqu'à ce que vous rétablissez net. Il y a un message pour les gens qui ont gagné et pour les gens qui ont gagné qui ne sont pas convaincus. Eh bien, ça nous a conseillé, c'est prévention.
et éviter paquet de graisse, éviter paquet d'épices et retourner dans ça nous avons fait longtemps en Haïti et dans produits qui sain et manger bagaille plus bagaille bouilli, manger légumes, pas tuer légumes avant nous manger, sauter légumes yo, comprendre moi et l'or fini, pas mettre paquet. Longtemps nous avons fait bon petit manger en Haïti, pas de gain tout paquet de produits chimiques ça yo. Et puis manger petit pour le pays nous. Manger petit pour le pays nous, comprendre. Et puis avec éviter paquet d'alcool, pas fumer, donc tout bagaille ça. Et puis faire un peu sport. Faut me dire nous ça parce que regardez que n'a fait sport matin, sport hein, li aller avec et dans tout sens physique nous, marche dans nous faire tout partie dans corps nous participer et la donne. Donc, c'est un bon mouvement pour le corps humain. La société haïtienne a l'heure, le temps pour être capable de participer à l'activité. Parce que ce n'est pas pour nous qu'on a fait, c'est pour eux. C'est sensibilisation, comme Mme Chirena a dit. Ce n'est pas seulement marchand que nous faisons comme activité. Nous faisons une journée verte chaque année où nous vendons des plantes, nous vendons des épices qui sont bonnes pour aider contre le cancer. Parce que Jean-Madame Sué, encore se dit, activité, sport et environnement, manger légumes, manger fruits, tout ça est important. C'est peut-être ça dans la journée verte, nous vendons toujours des fruits et nous vendons et fleurs, nous vendons des plantes, tout ça qui est bon pour la santé. Parce que ce sport-là, nous fait, nous marcher, ou bien nous courir, ou bien nous faire exercice, quand même, régénérer tout corps, toutes cellules qui sont dans le corps. Et puis avec manger sain, on ne pas manger graisse qui est fruit, et machin de fritaille, fruit, ou refri, qui n'est pas bon pour la santé. Non? Et puis, pas trop de viande, pas trop de graisse, pas d'alcool, pas trop d'alcool, etc.